Salut tout le monde, c'est Learn to Play, bienvenue pour une vidéo de Starcraft, encore de Starcraft, et pas de Dota malheureusement, puisque j'ai un léger problème avec Dota, on va dire léger beaucoup quoi, enfin c'est une connerie, mais bon je pense que je vais pouvoir la régler rapidement, donc vous aurez Dota normalement cette semaine si je dis pas de bêtises, hein. Et puis là, vu qu'on est en vacances, je préfère faire du Starcraft, donc maintenant vous savez que pendant les vacances, enfin peut-être pas non plus pendant les grandes vacances, mais pendant les vacances, comme ça, dans l'année, du Starcraft, j'aime bien, je commence à prendre de plus en plus mon pied avec Starcraft, puisque je joue là, je joue beaucoup en multijoueur en ce moment, et j'aime bien, j'adhère bien à ce jeu. Bon, let's go, c'est parti. Je me disais que ça te plairait de savoir que Tosh a officiellement rejoint notre petite révolution. Il va nous envoyer ses spectres pour nous aider. Vraiment un faible pour les timbrés avec des pouvoirs psy, Jimmy. Libérer ces guignols, c'est pas une bonne idée. Si le vieux Mens les avait enfermés, il doit y avoir une raison. S'il les avait enfermés, c'est qu'il les voyait comme des armes, pas comme des gens. Ils méritent de tenter leur chance hors d'une cage, comme tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas con comme raisonnement. J'ai pris un gros risque avec vous et vos spectres, Tosh. J'espère que Nova se trompait sur votre compte. N'allez pas croire les mensonges de cette petite fille. La procédure spectrale affecte chaque personne différemment, mais nous restons tous humains. C'est à nous de choisir si nous voulons devenir des spectres. Pas à elle, pas à vous, et pas à Mengsk. Choisir, c'est la seule vraie liberté qu'on peut avoir. Mais est-ce que je peux leur faire confiance? Et vous faire confiance? Ne vous inquiétez pas. On va lutter pour vous jusqu'à la fin. Tous mes frères et sœurs, on vous doit tout. J'espère, hein. Avec la musique de Tari qui se déclenche. Let's go pour les infos. Lifelink. Ne tirez que des bons coups. Flash spécial. D'après les dépêches que nous recevons en ce moment, qu'est-ce que c'est que ça? Nous retrouvons Kate. Les prisonniers les mieux gardés du Dominion sont libres ce soir, après une attaque éclair contre la prison de Neo Folsom. Les troupes de sécurité du Dominion sont en état d'alerte maximale, car certains de ces prisonniers étaient d'anciens membres du projet L'Âme de l'Ombre, dont nous avions découvert qu'il s'agissait d'une branche subversive du programme Fantôme. Un grand nombre de dissidents politiques ont également été libérés pendant l'attaque. Kate, c'est eux qui sont les responsables? S'agit-il des rebelles de Raynor? Les éléments dont nous disposons semblent l'indiquer, Donny. Et voilà, Jim Raynor a encore rendu l'univers un peu plus dangereux ce soir. Mais non. C'était Donny Vermillion depuis les studios de l'UNN sur Coral. Plus dangereux juste pour les vrais pourris, Donny. T'as du souci à faire. Eh ben ouais, il est fiché. Il est fiché, le pauvre. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de nouveaux mercenaires. Si on y met le prix. Ouais, voilà. Bon, let's go. Allons au laboratoire, on sait jamais, il peut peut-être y avoir de nouvelles choses. Entrez les codes d'accès. Jim, j'ai enquêté sur les affirmations de Nova concernant les spectres qui se transforment en tueurs psychotiques. Alors vous avez trouvé quoi? Sincèrement, il n'y a pas de preuve que les spectres aient plus tendance à avoir un comportement aberrant que le reste de la population. Une augmentation soudaine des facultés psychiques peut déclencher une crise psychotique, mais les spectres ne sont pas les monstres qu'on nous a décrits. Nova nous a menti. Ah bah voilà, je savais bien que j'avais choisi le bon camp. Voilà. Ok, donc let's go. Par contre, je ne sais toujours pas comment on fait ces tourelles là. Vous voyez? On verra en jeu, je pense que ça devrait le faire. J'en sais rien. D'accord, merci. Let's go à l'armurerie, on a du fric à dépenser. Gars, Tosh m'a passé les données pour pouvoir équiper d'autres spectres. T'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Paraît qu'il était dans le lavage de cerveau, un truc du genre. Tosh doit se contenter de ceux qui sont volontaires pour devenir des spectres, c'est le deal. Il les fait bosser dur pour pas qu'ils déraillent quand ils reçoivent leur plein pouvoir. Mais pas de lavage de cerveau. C'est bon à savoir. Je voudrais pas qu'un de ces cinglés s'échappe et nous fasse des misères. À part Tosh, je veux dire. Ah, voilà, on a débloqué les spectres. Ah, allons voir ça de plus près. Oh putain, ça a la classe. Regardez, ils brillent, ils ont des gros fusils.
Alors, parmi les effets secondaires du programme de formation des spectres, on a observé une augmentation marquée de l'excentricité chez les individus. Nombre d'entre eux portent des totems ou autres colis fichés pour améliorer leur capacité. Ok, ils ont un masque vachement classe, hein. Selon certaines rumeurs, le Dominion utilise toujours les spectres dans un certain nombre d'opérations en dépit de la fermeture officielle du programme. Ouais, des spectres, dites-moi, vous avez déjà vu un spectre? Non? C'est qu'il n'existe pas. Gabriel Tosh, premier spectre connu à 6 broches du service de presse Humogeron. On est toujours sans nouvelles de Mademoiselle Roche, disparue une semaine plus tard. D'accord. Bon, ils ont l'air classe quand même, hein. Alors, c'est parti. Je suppose qu'on a débloqué des améliorations. Et voilà, des spectres. On a débloqué des améliorations pour nos amis les spectres. On a 190 000 bases, on n'a rien à augmenter de 60 points. Et ouais, ça, on s'en fout. Le nombre d'emplacements de bunker de 2. UV se répare deux fois plus vite. 1% de portée. Crotel, 50 de vie. Ouais, mais ça, c'est pas. Ça, c'est mieux à la limite. Ok. Bon, on va améliorer les spectres, écoutez, hein. Donne la capacité fouet psionique, inflige 200 points de dégâts. Oh. Le camouflage ne consomme plus d'énergie. Oh. Ça vaut combien? 125 000. Et ça? D'accord. On va plutôt prendre ça, écoutez, pour commencer. Comme ça, on pourra se camoufler autant qu'on veut. Là, ouais, non, il y a toujours rien. Ouais, bon, on va pas. On va économiser, les amis. C'est plus sage. Let's go. La plupart du temps, parlons. C'est même plus ce que je fais. Hein? À part tourner en rond. Non. On vous suit depuis le début. C'est votre sens de la justice qui nous a permis de garder le cap. Mon intérêt pour la justice est épuisé depuis longtemps, Matt. J'ai passé toute ma vie à me battre. J'ai tué. Eh ouais. Voyez des gars bien se faire tuer. Et pourquoi? Pour régler mes comptes avec Minsk. Il me reste plus que ça. C'est les types comme toi qui construiront un monde meilleur une fois que la fumée sera dissipée. Uniquement parce que vous nous avez donné un idéal en lequel croire, monsieur. Je n'abandonnerai jamais le combat. Je vous le promets. Ah, c'est trop ça. C'est trop mignon. Ok, let's go pour la mission du jour. Nous n'avons que deux missions. Alors je pensais. Alors celle-là, c'est quoi? D'après les runes que tu dis. Ouais, ça doit être un truc proto. Non, j'avais plutôt envie de faire le port du mort. Voilà. Il faut encore qu'on réussisse à accéder à l'aide de camp récupérée sur Tarsonis. Notre vieil associé mercenaire, le colonel Orlan, est un expert en décryptage des codes confédérés. Si nos infos sont correctes, son repère est toujours au refuge de mercenaires du port du mort. On ne peut pas vraiment lui faire confiance, mais c'est la meilleure chance qu'on ait de casser ce code. Ok, let's go les amis, c'est parti. Le port du mort. Avec tous ces mercenaires dans le coin, on prend déjà des risques à attendre ici. Le colonel Orlan n'a pas l'air vraiment pressé de nous décrypter l'aide de camp. Ouais, j'ai comme un mauvais pressentiment. Début de transmission. James. What? Orlan a décrypté ton aide de camp. Mais il compte le revendre au gars du Dominion. Il devait y avoir une surprise à l'intérieur. Il veut que je vous occupe jusqu'à ce qu'ils arrivent. C'est gentil, Mira. Mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Elle est conne? Parce que je vous préfère toi et Mathieu, bien sûr. Si tu t'alignes sur l'offre d'Orlan, je t'aiderai à te débarrasser de lui. Il paie en minerai, donc je vais te proposer le même tarif. C'est toujours un plaisir, Mira. Marché conclu. Ne traîne pas trop, quand même. D'accord. Si Orlan est le premier à me fournir le matos, il faudra que je bosse pour lui. D'accord. Et dis aussi bonjour à Mathieu de ma part. Demande-lui pourquoi il ne m'appelle jamais. Parce que tu dois avoir un œil un peu chelou qui se barre en couille. Ok. Il ne va pas être très facile de trouver des filons de minerai par ici. Il va falloir nous lancer dans le recyclage si nous voulons pouvoir payer Mira avant Orlan. Oh là là, j'aime pas. On sait qu'on peut vraiment lui faire confiance. C'est une mercenaire. Elle aidera celui qui paye le plus. Oh putain, ça va être chaud patate, les amis. Chaud, 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 chaud. Le traquenard. Les vautours. Non, le vautour peut poser des mines araignées pour réduire les troupes ennemies avant qu'elles n'atteignent vos défenses. Ok, bon.
À mon avis, on va devoir, on va devoir choper toutes les petites caisses partout sur la map, en explorant bien sûr consciencieusement. J'espère que ça va pas être trop la galère. Chargement. Let's go, bitch. Let's go. Wow! What? C'est quoi ça? Ah, c'est transport spécial. Ok, on en a démarré. D'accord, let's go. Bien, les gars, on a un accord avec Mira Anne. Mettons-nous au boulot et récupérons cette aide de camp. D'accord. Ok, alors on va voir un peu ce qu'on peut avoir. On va faire ça comme dans les livres. Alors, on n'a pas beaucoup de. Ah, déjà là, il y a du gaz. Ça fait des années que les pirates désossent des vaisseaux ici. On devrait pouvoir trouver rapidement assez de matières premières pour payer Mira. Ouais, normalement. D'accord. Déjà, on a du gaz. Ces déchiqueteuses produisent en permanence des débris récupérables. On devrait repasser un peu plus tard. Mince, j'ai perdu un marine, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, d'accord, alors. Va falloir protéger ici. Non. Je crois que j'ai fait le con, là. Oups. Je crois que j'ai fait le con. Putain, alors, attendez. Ah d'accord, faut récupérer ces caisses. Ok, j'avais pas compris. Let's go. On va faire des marines. Non, non, attendez, on va faire un réacteur. Et on va aller récupérer ces conneries. Ouais, parce qu'il commence à avoir pas mal de minerais, j'ai l'impression. Hop. On va faire un tour ici. On peut faire des tourmenteurs. Ok, let's go. On fait un réacteur. Ah, relique Protoss. Un petit cadeau pour toi et Mathieu. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui donner la dernière fois que vous êtes passé. Bordel, Jimmy, c'est bécane. C'est bien des vautours. Ah ouais. Bien vu, Ticus. On peut s'en servir pour poser des mines autour de la base et tenir Orlan à distance. Ah ouais, pas con. No problemo. On va disposer les mines. Alors attendez. Il y a des reliques Protoss, on va devoir les trouver, ok. Putain, par contre, il commence à avoir pas mal de minerais, le coco. Alors écoutez, attendez. On va foutre des mines. Tac. 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 On va faire un tour là. Ici là. Born to be wild, bébé. Born to be. No problemo. D'accord. Et c'est tout. Bougez-vous, j'arrive. Ah oui, cette merde, c'est puissant. Oh. Ils ont un flammeur. Je kiffe. D'accord, alors. Ouais, j'y vais. À la castagne. Ok, donc. J'ai l'impression que je me suis fait péter mes deux marines. Mes marines qui étaient là. D'accord, ok, alors ils vont attaquer. Bon, on va faire du Marines. Et du V16. Pour l'instant, il est devant moi. Ouais. On va lui péter, bien sûr. Ça. Tac. Donc il a des bases qui lui fournissent du minerai, d'accord. On va aller récupérer toutes les caisses de recyclage. Pour l'instant, il a plus de minerai que moi, ouais. Donc voilà, là il a pris largement l'avance, j'ai l'impression. On va récupérer toutes les caisses. Je peux pas construire ici. Ils sont mes mecs. Ah ouais, ils sont là. Ok. On va faire un tour ici dans les environs. D'accord, alors. On va faire ça comme dans les livres. Tac. On a une petite troupe de choc là. C'est quoi ça? Vaisseau poubelle du port, d'accord. Donc ici on va récupérer un peu tout. Alors ici, on dirait que.
Ouais, pas de quartier. Nous on a les boucliers, eux ils les ont pas. Hop, on récupère. Voyez là on a repris le. Tac. Alors apparemment c'est fait un petit peu. Oulala. On va essayer de tout récupérer et le mieux ce serait de récupérer les reliques Protoss. Attendez, ici. Oh oui. Il y a une autre relique Protoss ici, les amis. Là, on va back. Ouais, parce que, vous voyez, là, on se fait péter. Non, dépôt de ravitaillement. Tac. Ok. On a deux points de recherche, les amis. Donc, je suppose que. Le prochain sera. Bon, on va aller en bas, on va aller. Tac. Pas de problème. Je monte le chauffage. Va y avoir du grabuge. Ok, bon. Par contre, il me faudrait plus de. Plus de marines. Tac. Ça va me bouffer un peu de ressources, mais écoutez. Là, on a une troupe de choc. Apparemment, ici, il y en a. Tac. Bon, cette mission est pas super compliquée. Vous voyez, on récupère un peu tout. Ok, donc on va aller leur déglinguer leur petite base. Excusez-moi. Ok, on va là. Tac, ça c'est fait. On va tout leur péter. Hein. On récupère bien sûr le minerai qui va bien. Tac. Oups, alors là par contre. Ouais, ça va pas le faire. Donc on va aller ici, ouais. Pendant que ils détruisent gentiment ici. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? Ouais, des caisses. Wow, par contre ils sont là, faut faire gaffe. On récupère bien tous les minerais ici. Ouais là, en fait, notre base s'épuise. Ah, ils ont un Goliath. Attention, on récupère bien toutes les caisses. Oula, c'est énorme ce. On récupère bien tout. On va bientôt gagner, les amis. Ils ont une tourette. Tac. Eh, la relique Protoss. Mince, j'avais pas vu. Au moins, on aura la relique. Attendez, on va aller leur péter la gueule. Ah, parce que là ils nous ont bien cassé le cul, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci les mecs. Ok, bon, on y retourne. On va aller péter cette base-ci. Et on sera un peu sécu là. D'accord, donc je pense que c'est bon là, hein. On n'a plus qu'à. Quelque chose en tête. Merde, un Goliath. On le dépop. Voilà. On dépop bien tout. On récupère toutes les caisses de recyclage. Tac. Ouais, j'y vais. On essaie de bien récupérer tout. On récupère tout. On a bientôt 6000. Bon, il peut plus rien faire là. Il est foutu. Attendez, on récupère bien les caisses. Voilà.
Et on pète la base et on aura gagné normalement si je ne dis pas de bêtises. J'espère que c'est du sérieux. On va aller récupérer tout ce qui est ici. Hein. On a récupéré toutes les reliques protoses, donc c'est bon. Normalement, on aura gagné. Attendez, alors, avant, je vais aller voir ici. Ouais, j'y vais. D'accord, donc ici, c'est les potes. D'accord, ici, c'est les potes. Bien compris. Ok. Donc c'est bon, mais je suppose que ce n'est pas terminé. Très bien, Mira. On sait tous les deux que c'est de l'arnaque. Mais je vais t'empêcher. Oh, elle a des beaux temps creuses. Mes troupes sont à ton service, Jim. Je suis vraiment heureuse de vous rejoindre, toi et Matthew. Moi aussi, je suis... Espèce de sale petite. Je vais te montrer comment je m'occupe des salopards de traîtres. Oups. C'est bien ce que je pensais. Et merde, on se fait attaquer. Et on n'a plus rien. Ah d'accord, mais on a une nouvelle base. Ok, bah c'est bien. Un truc à faire sauter. D'accord, donc... Envoyez la sauce. On a des tanks de... Mais c'est pas des tanks... Allez-y. Les briseurs de siège, d'accord. Ok, mais on a des... On a l'air d'avoir des troupes de... D'accord, là faut quoi... Je suis dans la mouise. Ok, alors... Ok, donc je suppose que les caisses marchent toujours, ouais. Ouais, d'accord, alors là ça va être du massacre. C'est parti. Il faut les écraser. Demande assistance. Bien sûr. D'accord. Ok, bon bah les amis, cette mission va se révéler plutôt d'une simplicité monstrueuse. Sauf s'il a un espèce de comité d'accueil absolument... Écoutez, on va prendre... On va choper les VSS. Non, on va aller les mettre là-bas plutôt. Mince. La victoire est à nous. J'ai pas vu... Nous on pète les tours, on est comme ça. Canon électrique pareil. Un plaisir. Bien. Voilà. Magnifique. Bon, maintenant on va produire du Marines et du Tourmenteur. Parce qu'il faut bien faire, faut bien le faire, hein, sinon ça ne sert à rien. La base est attaquée. Comment ça la base est attaquée? Ah oui, d'accord, parce que j'attaque la base. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, je suis con moi. J'avais pas récupéré ici. Ils arrivent. C'est parti. D'accord. On danse. C'est parti. Oh ok, bah, c'est pas très grave. Ici on a pas vu, on va aller tout péter. Donc ici, hop, on ramène du VCS. On va faire du flammeur à des spectres, section ombre. Écoutez, on va essayer de construire cette section ombre. C'est section ombre. On va faire une section ombre. Et on va essayer de débloquer les spectres que de la mission d'avant. Ok, let's go. Là, on va aller tout péter. Il me semble qu'il y a un bunker. Ah, il y a un tank aussi. Wow, il y a un méga Goliath. J'ai un petit cadeau en cours de livraison. Putain. C'est parti. N'oubliez pas les coups. Attendez, on va péter d'abord. Absolument. Attendez, on va tout lui péter d'abord. Voilà. Tu sais ce que j'en fais moi de ta bombe nucléaire, espèce de vieux. Vieux mec, va. Ah merde, j'avais pas vu ça. Voilà. Voilà, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Bon, maintenant on va choper nos... Mais non, t'as pas mal partout. Allez, c'est parti. Non, le médic.
Ah oui, c'est vrai qu'on a obtenu un capacitant avec une section de l'ombre. On va faire des spectres, les amis. Vous allez voir que ça va être très 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 fun. Et je pense que c'est ce pourquoi ils ont mis des tourelles lance-missiles. Et sachant que on peut aussi avoir une bombe nucléaire. Bah écoutez, on va se faire plaisir. Vous allez voir. On va tout faire péter. Malade. Bah, apparemment le mec le colonel je sais plus qui là n'a pas l'air d'être très sympathique. On va aller les rejoindre. Par contre ça m'a l'air d'être assez long l'espèce. Pas de quand même. Heureusement qu'on a un médic dans l'équipe. On pète bien sur les tourelles pour oh là un Goliath. Pour enlever tout simplement la détection, parce que les spectres sont détectables. Donc, si je n'ai pas, voilà, camouflage. Et voilà, alors là, normalement, bah voilà, ils sont camouflés à l'infini. Donc, on est craqué. Ok, on a un missile nucléaire. Alors, on va s'en servir à la fin. Ah, ils ont un battle cruiser. Battle cruiser, ça c'est pas bon. Ah, excusez-moi, re les amis, je n'avais pas remarqué, mais j'ai tourné sans enregistrer à cause d'un retour Windows, je ne sais pas à quoi c'est dû. Veuillez m'excuser. Alors je ne sais plus où je m'en suis arrêté, mais en tout cas. Auto repair. Ah, il est réparé, d'accord. J'ai continué à faire de l'armée. J'ai stationné mes troupes ici. J'ai stationné troupes devant la base du colonel. Et donc, voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose sinon. Néanmoins, j'ai trouvé comment on fait les tourelles. Vous voyez ? Les tourelles perdition, j'en ai construit une, c'est tout simplement ici, tac, et on les construit, voilà, on construit une deuxième. Et elles sont rétractables. Donc j'ai fait des crotales, j'ai fait du marines, histoire de, voilà, d'agrandir un peu l'armée, j'ai pris aussi, mince, voilà, il avait pas compris le temps. Donc je sais pas depuis combien de temps je ne filme plus, mais dans la vidéo ça fera depuis le bug, hein. Enfin le retour Windows, je m'excuse, là ça fait deux vidéos de suite où j'arrête pas de bugger. Et donc, oui, on aura eu le plus 1 d'attaque. Et voyez. Mauvaise nouvelle. 3 tourelles perdition, alors là si les mecs arrivent à passer plus les bunkers à tourelles, bah c'est que c'est des brutes, hein. Ok. On va faire décoller la base et on va la faire atterrir ici. Ça prendra moins de temps, même si je pense que voilà quoi, on aura fini avant. Et on va se marrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors faut que je les trouve. Ah bah c'est bon. On va finir avec une jolie bombe nucléaire. Tac. On va tenter le coup. Let's go, hein. C'est parti. Voilà. Une belle. Mince. J'avais pas vu qu'il y avait des tourelles. Alors j'espère. D'accord. Bon bah on n'aura pas eu le temps les amis, désolé. Je m'excuse. D'accord, je me rends. Prends là ta saleté d'être de camp. Je devrais faire une fleur à l'univers en te faisant disparaître, Orlan. Mais c'est peut-être toi dont j'aurai besoin la prochaine fois. D'accord, bon, on n'aura pas pu faire une super bombe. Ça marche, Raynor. Je vais mettre ce serpent au frais pour toi. Oh oui. Je vais même le faire gratuitement. Vous m'en verrez ravi, ma chère. Oh. Ah, au fait obtenu. Tu as total 25 unités avec des mines araignées à votre bras. Ça, on l'a pas fait, hein. Bon. Ne pas former de WC supplémentaire avant de signer le contrat avec Anne dans la mission Traknar. C'est qui Anne? Ok. D'accord.
Ah oui, Mira, d'accord. En gros, c'est... Ok, ça fallait pas former de... Ouais, mais c'était en mode difficile. Ok, bon, c'est pas grave. On a eu... Ah, au fait, c'est déjà bien. Ah là là. Et c'est parti pour une petite cinématique. Donc, on aura décrypté l'aide de camp, sûrement. Je l'espère. Peut-être. Monsieur, l'aide de camp décryptée est de retour au labo et prête à parler. Ah, tu en... Alors, ma vieille, Ah, ma on vieille. t'a déterré sur Tarsonis. T'es en ligne pendant l'attaque Zerg? Tu te rappelles si Arcturus Menzk était impliqué? Menzk, Arcturus, officier confédéré de réserve, prospecteur civil, fondateur et chef du groupe terroriste des Fils de Coral. Statut criminel. Accès ou transmission interceptée. Alpha 0081 oh, à 0036. Ici Duke. Les émetteurs sont en place et fonctionnent. Qui vous a donné l'autorisation d'utiliser les émetteurs? C'est moi, lieutenant. Quoi? Faire ça aux confédérés d'Antiga, c'était déjà moche. Mais utiliser les Zerg contre toute une planète, c'est de la folie. Elle a raison, mec. Réfléchissez bien. C'est tout réfléchi, croyez-moi. Vous avez vos ordres, obéissez. Personne ne m'arrêtera. Ni vous, ni les confédérés, ni les Protoss, personne. Non. Si je ne peux pas me rendre maître de ce secteur, qu'il disparaisse en flammes. J'arrive pas à y croire. Avec ça, on peut crucifier Menzk. Ouais, carrément, ouais. Hein? Pourquoi on se retrouve dans le laboratoire? Ah oui. Alors, est-ce que si... D'accord, il est encore bugué. Bon. Alors, on a débloqué des points de recherche proto, s'il me semble. Mais ce n'est pas assez... Oh, oui! Oh oui, j'aime. Ça, j'aime. Ça c'est microfiltrage. Ah oui. Ça aussi j'aime bien. Les recherches protos m'ont l'air très très puissantes. Raffine non plus. Ah bah d'accord. Et là, on peut faire un 2WC simultanément. D'accord. D'accord. Alors ça c'est plutôt très 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 fun. Alors ça c'est absolument génial. Donc on a des... Ah oui alors ça c'est... Je me demandais ce que c'était ça, ça combine le réacteur et le laboratoire. Mais écoutez on a des recherches fabuleuses à faire plus tard dans nos différentes missions. Sur ce on va se quitter au bar hein, comme on le fait d'habitude. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une aventure absolument magnifique de StarCraft 2. Allez, portez-vous bien. À la prochaine.